qu'il existe quelque part, dans les mers bleues des Caraïbes, une île mystérieuse où fut caché un jour le plus fabuleux des trésors. Vous le saviez ? Bien sûr qu'il sait où est l'île, mais il sait pas où est le trésor. C'est même l'endroit exact. Elle est là, la carte, gravée dans ma tête. Alors, le trésor du capitaine. N'en parlez à personne. Ferme ton clapet. Cette femme est double, mon petit Jim. Elle est coupée en deux. L'ange et la bête. Oh ! N'oublie jamais ça, Jim. La femme est l'ennemi mortel du pirate. Monsieur Silver, sachez que si vous me livrez la carte, il se peut qu'en échange, je vous livre l'accès à un autre petit trésor. Votre pipe est à l'envers. Larguez les amarres. La carte, monsieur Silver. Vous ne m'avez pas montré la carte. Si tu lui donnes la carte, tu ne sers plus à rien. Et cap sur la grande aventure. Mais arrête de voir. C'est une copie. Silver est un démon. Appuyez là. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Ne dormez que d'un œil. S'il ne vous en reste qu'un, ne dormez plus. Faudront sonner. Y'a que ça. Docteur, c'est pas plutôt le bras qu'il faut... On ne discute pas. On diagnostique devant le patient. Terre en vue! Vous voyez cette île là-bas? Eh ben c'est pas une île. C'est un coffre-fort. Ah, et demain, camarades, nous irons l'ouvrir, ce coffre-fort. Ah, un serpent! Là, il m'a mordu! Vous souffrez? Trésor, mon pauvre trésor. Hissez le pavillon noir et n'oubliez jamais, celui qui connaît le secret de l'île au trésor vivra riche. Aidez-moi ! Ou mourra très jeune. L'île au trésor.